Quand on branche un appareil à une prise électrique, il se met automatiquement en marche. Bing, bang, pouf, c'est fini, on n'en parle plus et on passe à autre chose. On ne s'interroge pas souvent sur l'électricité. C'est quoi l'électricité? Comment ça fonctionne? On ne réalise pas à quel point nos vies dépendent de l'électricité. Jusqu'au moment où une panne survient. L'électricité n'a jamais été inventée. Elle a toujours existé dans la nature. La foudre, les aimants, les anguilles électriques, tout ça existe sans intervention humaine. Mais plusieurs scientifiques et inventeurs ont trouvé des manières de maîtriser l'électricité et de la contrôler. C'est vers le 18e siècle que les recherches sérieuses sur l'électricité commencent. En 1752, Benjamin Franklin prouve que les éclairs sont de nature électrique. Pour ce faire, il fait voler un cerf-volant en plein orage, cerf-volant auquel il a attaché une clé. Ça ne semble pas très sécuritaire. Mais après avoir fait voler son cerf-volant un certain temps, Franklin touche à la clé et il reçoit un choc électrique. Ah! L'éclair est donc électrique! Mais personne ne comprend exactement ce qui se passe. Les recherches se poursuivent. Un des nombreux scientifiques ayant étudié l'électricité est Michael Faraday, un physicien et chimiste britannique ayant vécu au cours des années 1800. Parmi ses plus importantes expérimentations, notons celle portant aujourd'hui son nom, l'expérience de Faraday, accomplie à l'origine en 1831. Notre scientifique réalise qu'il est capable de produire un courant électrique quand il déplace un aimant à l'intérieur d'un cylindre en papier autour duquel il a enroulé un fil métallique. C'est ce qu'on a plus tard appelé l'induction électromagnétique. Mais à l'époque, on ne comprend toujours pas très bien pourquoi cette expérience génère de l'électricité. Plus de 60 ans plus tard, en 1897, l'électron est officiellement découvert. Il s'agit d'une avancée qui permet enfin d'expliquer l'électricité. L'électron est une particule de l'atome, et les atomes constituent les unités de base de la matière. Les électrons, pour leur part, orbitent autour du noyau de l'atome. Revenons à notre expérience de 1831. Pourquoi y a-t-il un courant électrique qui est produit quand on bouge un aimant dans une bobine de fil métallique? C'est parce que le mouvement de l'aimant provoque un mouvement d'électrons. Dans certains matériaux métalliques, comme le cuivre ou l'aluminium, les électrons bougent facilement d'un atome à l'autre. C'est une propriété inhérente de ces matériaux. Ils sont comme ça, si on peut dire. Ces matériaux, ce sont des conducteurs. En passant un aimant proche d'un fil de cuivre, on force les électrons à bouger d'un atome à l'autre. C'est ça qui crée le courant électrique. L'électricité, c'est le déplacement d'électrons dans un matériau conducteur. Ce qui est surprenant avec l'histoire de l'électricité, c'est qu'on n'a pas attendu la découverte de l'électron et l'explication détaillée de l'électricité pour commencer à la distribuer à grande échelle. Depuis la deuxième moitié du 19e siècle, c'est grosso modo la même architecture qui domine dans les centrales électriques. Elle a été développée par un ingénieur serbe immigré aux États-Unis, Nikola Tesla. Dans une centrale électrique, il y a tout d'abord une turbine qui tourne grâce à la puissance de l'eau, de la vapeur ou du vent. La turbine entraîne avec elle un gigantesque aimant qui lui-même tourne à l'intérieur d'un énorme cylindre composé de barres de métal, comme du cuivre, par exemple. En somme, les centrales électriques reproduisent à très grande échelle et à tout moment l'expérience de Faraday. Par la suite, pour que l'électricité se rende jusque chez nous, il y a toute une enfilade de lignes de transport, de pylônes et de postes électriques faisant en sorte que j'arrive à ouvrir une lumière en appuyant sur un interrupteur. Mais il ne faut pas oublier de la brancher en premier.